bordel de la Huracan dans la montagne, magnifique. Bon, on n'aime pas filmer ça, mais là, du coup, il y a eu un gros accident. Une BMW M2 qui faisait n'importe quoi, qui a roulé comme une malade et qui a tapé en frontal une autre voiture devant. Donc le col est bloqué et les supercars du SOC sont en train d'arriver. Donc elles vont se retrouver dans les voitures arrivent, mais tout le monde est bloqué, donc c'est un peu une scène de merde. Je vous filmerai pas l'accident parce que les deux voitures sont détruites complètement, il y a des roues qui sont arrachées et les airbags qui sont ouverts, les secours sont en train d'arriver, c'est un peu moche. Hein. Parce qu'il y a quand même des belles choses malgré tout. Permet quand même de les voir de près, ce qui n'était pas forcément prévu de cette manière-là. La remontée du convoi à pied grâce à notre ami de la BMW M2 folle. Là, vous avez... Je les file toutes parce que je sais pas quand est-ce qu'elles vont redémarrer, comme ça moi je les aurai vues de près et je vais essayer de toutes remonter après dans le col. En attendant qu'ils dégagent pour l'accident. Si je remonte, je vous filmerai peut-être l'accident, mais bon, honnêtement c'est moche. On ne souhaite pas aux gens de se faire filmer dans ce genre de moment. Bugatti EB110. Magnifique F40 LM, incroyable. Là on a du très très lourd avec la Pagani Huayra Imola, incroyable car. Voiture de malade, moi j'aime beaucoup.
filme un peu vite parce qu'apparemment je reçois des informations comme quoi les voitures vont repartir. Donc je vais filmer encore la belle F12 PDF et la MG GTR et je vais remonter en courant. On va entendre les polices qui arrivent. Scène incroyable. Toutes les voitures bloquées sur la route à cause d'un accident. Regardez-moi ce bordel. L'accident a lieu là-bas. Je me suis remonté tout ça à pied. Et les voitures semblent repartir dans l'autre sens. Donc j'ai bien fait de descendre les filmer, sinon bah je l'aurais eu là où je pense. Hein. Voilà. Encore la dinguerie. Hélicoptère de secours, donc c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a des blessés. Apparemment ils reprennent l'autoroute pour aller à l'aérodrome. Vous avez encore une belle spéciale édition arrêtée sur la route.
voitures semblent repartir vers cette direction de là où elles sont venues. Donc normalement on est censé se retrouver à l'aérodrome. Donc on va essayer d'aller là-bas et puis on verra bien ce qui se passe. Ouais, non, mais lui il était conscient, mais je pense dans la M2 ils sont pas bien. Et ça a tapé fort, hein, putain. Donc en fait, moi j'ai été positionné ici. Et vous voyez au niveau des hélicoptères, l'accident a eu lieu là-bas. Je peux plus retourner filmer, je l'ai pas fait évidemment quand on est arrivé parce qu'on a d'abord demandé aux gens comment est-ce qu'ils allaient. On a appelé les secours avant de penser à faire une vidéo. Et du coup, voilà, c'est sur cette route là, le mec a roulé comme un malade et il a chopé une autre bagnole en frontale juste là-bas. Donc là, toutes les voitures se barrent. On a la F50 jaune que j'ai pas réussi à voir parce que du coup elle était déjà repartie du convoi quand il y a eu l'accident. On la voit, elle est juste en face. On espère avoir un petit peu mieux. Tout va bien. Ça c'est la Unica. Elle est dingue, hein.
Pas gagné là-bas, je les avais pas vus. Alors, vous êtes plutôt Twingo ou Clio RS là? Dites-le nous dans les commentaires. Magnifique la Ferrari noire. La Chiron est de retour après son run. Ça c'est une 599 Zagato, il y en a 6 dans le monde et c'est la deuxième que j'ai la chance de voir. Là vous avez Monsieur Pagani, Horacio, en train de conduire une belle Zonda. Monsieur Pagani, en personne. C'est vraiment, vraiment impressionnant d'être sur le paddock au milieu de toutes ces voitures. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça valait le coup de se lever tôt, comme on dit. Hein. Pagani contre la Pagani.
coup, on se retrouve à l'intérieur du Chevy Endermat avec certaines voitures comme cette Veyron 16.4 qu'on n'a pas vue ce matin. J'ai fait un petit tour rapide. On revoit notre machine. Des Koenigsegg qui n'étaient pas là ce matin, donc Agera R que j'avais déjà vu au Boss Quadron, ainsi que cette Agera RS. Alors cette CCX, par contre, je crois que je ne l'ai jamais vue, donc ce serait une nouveauté. Et elle n'était pas là ce matin non plus, elle est assez sympathique avec les autocollants et le wrap. On retrouve encore une CCX qui était là ce matin pour le coup. Une Agera X chez SR, les Pagani. Très très belle line-up de Pagani. Hello. Hello.